Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec la Russie qui a eu à faire une grosse guerre contre les Ottomans. C'était pas évident, hein, mais bon, on s'en est sorti. C'était compliqué, hein, mais bon. On a réussi, on est vivant. C'est l'essentiel. Là, je vais. Ah merde, j'ai ça à m'occuper. On va ramener toutes ces troupes là-haut. Bah, du coup, on va envoyer une partie de notre armée aller s'occuper de ça. Et une autre partie sur la Livonie. Il faut absolument qu'on enchaîne les guerres parce que là, j'ai dû prendre beaucoup de mercenaires et du coup, il faut que ça me serve, quoi. C'est un peu le problème. Voilà, ça, c'est le bienvenu. Et puis après, je me débarrasserai de tous ces mercenaires, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal d'avoir cette paix qui arrive juste au moment où j'ai pris, je sais pas, 40 mercenaires peut-être. Donc on va y aller. Saxe, Ludenburg, Cologne, Riga, Hospitalier. Pas vraiment de soucis sur cette guerre. Ça, on s'en fout. Ouais, d'ailleurs, c'est pas mal comme chiffre. On va tout de suite aller chercher l'armée de Riga déjà. Ah, on peut pas passer là. Si, on peut passer. Ah, on peut pas aller plus loin, d'accord. Bon. On va se faire ces deux sièges. De toute façon, les renforts arrivent assez rapidement. Ok, ce que je vais faire, je vais prendre la moitié là pour faire ce siège. C'est même pas un siège d'ailleurs. J'appellerai pas ça un siège. Alors le but, je sais même pas quel est le but de cette guerre, sérieux. J'ai pas, il manque une relation. Ouais, c'est parce que j'ai pas fini là. J'ai combien de vassaux là? Une, deux, non, une, deux. J'ai deux vassaux. Il y a un truc qui cloche là. Ah non, j'ai trois vassaux. Celui-là, faut que je me... Je sais pas quoi en faire. J'ai trois vassaux et deux alliés avec l'Autriche. Ah bah non, j'ai pas encore d'alliance avec l'Autriche. Je crois que le plus simple, ça reste de regarder ici. Il y a un truc qui m'échappe là. Hey, j'ai le mariage royal, mais j'ai pas l'alliance. Ils veulent pas s'allier en plus, parce qu'on est en guerre. Mais en théorie, on est quand même alliés. Ah, ça m'énerve. Je serais tenté de briser mon alliance avec eux, quitte à avoir un allié. Parce que là, qui je pourrais intégrer rapidement? Je suis même pas sûr que ce soit possible. Ah si, on peut. Ils me servent pas à grand-chose, eux, ceci dit, ceux-là non plus, mais... Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on va les vassaliser quand même. On intégrera Chirvan là le plus rapidement possible. Ça, je peux arrêter. Il faut que je fasse mes revendications sur la Pologne. Alors, je sais pas ce que je vais faire de Riga d'ailleurs. Est-ce que je pourrais pas plutôt vassaliser Riga et je sais pas si c'est un intérêt particulier de vassaliser Riga à la place de Lord de Livonie. D'accord. Alors, 100 points militaires, ça m'intéresse pas trop. Par contre, ce que j'aimerais bien y chercher, c'est ça dans 4 ans. Merde. Bon, je vais prendre les points militaires. Ça va quand même me permettre de me développer. C'est jamais perdu. C'est juste que c'était pas la priorité là. Surtout à la vitesse où je dépense mes effectifs, je me dis que c'est jamais perdu.
On va se développer un peu. Ça, c'est pas légitimé. Ça. Ah non, ça, c'est pas légitimé. Je sais pas. Ah non, c'est qui bug. Il veut pas me donner la province. Voilà ce super bug. Alors, par contre, ça, c'est un bug qu'ils ont jamais corrigé, hein. Ah voilà, il me met n'importe où. Je sais pas pourquoi, à un moment, ça commence à déconner. Alors, peut-être parce que c'est pas classé. Ah, là, ça remarche. Honnêtement, j'ai jamais compris. Hein. Peut-être parce que c'est pas classé dans par ordre croissant, décroissant. J'avais jamais remarqué ça, mais là, ça commence à me. Je commence à me dire que c'est ça. Faudra tester. Faudra retester ça. D'accord, donc ça, j'ai géré. Ah putain, 80 000 hommes de déficit. Je crois qu'il va plus me rester un seul soldat, vrai, un vrai soldat. J'ai plus que des mercenaires. C'est quand même un problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Kriga? J'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec Kriga, j'ai envie de les laisser là pour l'instant. On verra. Mais c'est vrai que je pourrais, je pense avoir des comment ça s'appelle? Des réparations intéressantes sur Riga, je pense qu'ils sont relativement riches. On va voir ça. D'abord, on va détruire leur armée. Ah non, ça c'est l'ordre de Livonie. Alors, je pense qu'on va juste discuter avec eux. Pour l'instant, on va rien discuter du tout parce que j'ai personne de libre. Ouais, évidemment. Ah, ils sont riches, hein. Ça c'est parfait. Ça va me permettre de construire des bâtiments. Ça faisait longtemps et comme j'avais des manufactures là qui étaient intéressantes, je suis plutôt preneur. Ok, peut-être. Non, là il n'y a rien de spécial. Alors 31, 47, 13. Ah, c'est tellement pratique cette option, sérieux. Ouais, 55. C'est tellement pratique, j'adore cette option. Lune russe, alors attention. Ah, 50 puissance, 25 de puissance militaire de nouveau. Là, je pourrais pas passer. Il faudrait que j'arrive à les faire bouger de là. Ceci dit, c'est peut-être possible. Parfait, j'ai pris un navire au passage. Et. Ah merde, on est obligé de passer par là. Je comprends pas trop pourquoi. Je pense qu'il faut que je déloge ceux-là en fait. C'est bon. C'est eux qui me bloquaient le passage. Bon, bah on est plutôt pas mal. Tiens, il y a eu un débarquement des hospitaliers. Moi, je pourrais pas débarquer chez les hospitaliers puisque pour l'instant, j'avoue que j'ai pas de navire de transport. Déjà, là, j'ai récupéré une galère, c'est une première. J'en avais pas. On va. De nouveau acheter des points militaires, dépenser des points militaires. Je me demande si j'ai quand même pas trouvé la réponse à ma question, de savoir pourquoi parfois ça marchait pas. Enfin, non, j'en sais rien. Ça, c'est. Je ne saurai jamais, je crois. Ouais, là, c'est la bonne province. Non, je crois que ça restera un mystère. C'est juste un bug en fait, je pense. Alors du coup là, je vais séparer mes flottes. Alors il va rester qui? Les hospitaliers, Cologne, Saxe-Lauenbourg. Je peux pas trop aller voir tous ces gens. Ah oh, bordel, il va falloir que je commence à me débarrasser des mercenaires avant que ça me coûte trop cher, je crois. Parti. On va pas tous les tuer parce que si je fais ça, j'ai plus d'armée. Grosso modo.
que ce serait un petit peu bête. On va faire le point hein, sur le nombre de mercenaires que j'ai, mais... donc là, normalement, dans cette armée, il n'y a aucun mercenaire. Ouais, c'est bon, on va pouvoir les remettre par là. Ça, pour l'instant, non. Je vais pas les vassaliser tout de suite, hein, j'ai pas de place disponible encore. C'est con, c'était le but, mais... Du coup, c'est un peu décevant. Alors, la Pologne. Et personne n'a attaqué les Ottomans pendant qu'on était en train de les combattre avec acharnement. C'est venu à l'idée de personne. C'est quand même dommage. Alors, c'est presque bon. J'ai 31 000 mercenaires là quand même. On va en supprimer la moitié. On va faire des économies, hein. Je pense qu'on va revenir à des revenus beaucoup plus substantiels. Donc là, il faut quand même que j'économise pour la science. Je suis bien embêté, hein. Je suis obligé d'économiser pour la science parce que la prochaine institution arrive à grand galop là et il faut. Et il va falloir que je prenne mes sciences le plus vite possible, évidemment, pour avoir le malus le plus faible. Donc je peux pas trop m'investir dans les doctrines, en fait. Ok, j'aimerais bien me faire cela aussi. Peut-être qu'ils vont bouger tout seuls, parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire... Merde. Score de guerre contre les autres religions, pourquoi pas. Alors ça, j'ai pas trop compris, j'avoue. Ce que j'aimerais faire, c'est un blocus ici. Score de guerre contre les autres religions, ça veut dire quoi ça? Puissance comparée des deux camps, lassitude. Russie engrange des victoires. Ouais, le score de guerre là n'apparaît pas, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Non, là je veux faire le blocus. Ouais, ça nous aide quand même. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est ressorti, une armée ennemie quelque part. Non, a priori, c'est bon. Ok. Oh, par contre, là, je veux pas me battre, ils sont trop nombreux. Bon, bah, 37, j'ai bien envie de m'arrêter là, étant donné que... Ouais, mais j'ai pas... Je vais prendre toute la côte comme ça. Il sera toujours temps de les vassaliser plus tard. On va leur faire cesser leur alliance avec les pays qui sont trop lointains, là. Surtout les hospitaliers, par exemple. Ok. Bon, c'était pas ce qui était prévu au programme. Je voulais les vassaliser, mais j'ai toujours trop d'alliés, en fait. Donc, Alors, offrir une alliance... Ok, repos. On va se retrouver sur une grosse province, genre Moscou. Et je vais refaire mes armées. Je peux mettre ma maintenance à zéro. Je peux mettre mes forts à zéro. Donc il y a celui-là, celui-là. Celui-là, je peux le garder. Contre le Danemark, celui-là a encore une valeur. Ouais, pour l'instant, je préfère tous les garder, honnêtement. Et les colonies, ça donne quoi, d'ailleurs? Ah merde, j'ai oublié de les relancer. Je crois qu'elle poulet. Faut pas que j'oublie ça, quand même. Sinon, j'aurais jamais fini. Ouais. En fait, on peut relancer... tant qu'on en a des frontalières, on peut relancer 15. Hein. Si j'avais 15 provinces frontalières, je pourrais relancer 15. C'est quand même relativement impressionnant. Ok, donc la Pologne, on verra ce que ça peut donner, est-ce que c'est intéressant ou pas. Bon, je pense que oui, évidemment, mais... la Géorgie, ils sont toujours garantis... Ouais. Ah, du coup, moi, je vais me lancer dans les revendications sur les Ottomans. Hein. J'ai rien d'autre à faire.
Là, on va refaire nos armées, peut-être plus que 20 000 hommes, parce que le problème de 20 000 hommes, c'est contre les armées ottomanes, j'ai vu qu'ils se baladaient déjà avec entre 25 et ouais, entre 20 et 25 000 hommes. Donc j'étais un peu juste. Donc on va prendre du 12 000, on va prendre 4 de cavalerie, ça fait 2 de chaque côté. Et après, donc 16, 9 d'artillerie, ça me paraît une taille un peu plus intéressante. Ça nous permettra de faire face aux armées ottomanes, par exemple. Alors là, on va prendre. Du coup, on va faire une armée de mercenaires. J'ai dit 12, c'est ça? Ouais, 12. La cavalerie, j'ai dit 4, et l'artillerie. J'ai 19. Ok. Là, on peut faire une armée. Je pense qu'on va faire une armée classique. Il va peut-être me manquer de l'artillerie encore. Et là, j'augmente. En faisant ça, j'augmente la quantité d'artillerie. Il va falloir. À mon avis, il va falloir en faire pas mal. 12. 4. 4, j'ai dit. Je vais manquer d'artillerie, ça c'est clair. Ensuite, on va se faire une armée de mercenaires en plus. 12 et 9. Est-ce que j'en ai 9? Ouais. Du coup, il me manque juste un cavalier, c'est bête. Il y a un endroit, il m'en manquait, ouais, c'est là. On va être pas mal, hein. Là, je suis 12, 4, 9. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il m'en manque 4. Là, par contre, il m'en manque beaucoup. Et du coup, je me retrouve avec trop d'infanterie. Je vais jeter ce qui me reste de mercenaires, là. À 15 000 hommes. 18, c'est un peu trop encore. Bon, on complétera au fur et à mesure. Là, on est un peu au repos. On n'est pas pressé. Quand on a 62 000 de déficit, je pense qu'on peut prendre son temps. Est-ce que je serais pas arrivé à un moment où je peux reprendre des soldats là? On est sur dépendance aux Strelets, là on est à 11%. Moi je dis que c'est suffisant, on pourrait se refaire 39 régiments. C'est beaucoup trop. C'est quoi ce délire? 39 régiments. Ah, c'est monstrueux. Et malheureusement, ça peut pas être des mercenaires, non, c'est beaucoup trop 39. On va attendre. Là, je vais être obligé de sacrifier 6 000. J'ai vraiment. Ouais, je sais pas quoi faire. Je vais être obligé de sacrifier 6 000 hommes, je pense. Ça me ferait combien d'armées, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 25, ça fait 150 000. Ah, ça me fait. Merci d'avoir fait ça. J'allais oublier. Merde, bordel. J'allais oublier ça. Et malheureusement, ça suffit pas, mais voilà, on va pouvoir travailler sur notre démonstration de force, parce que comme on est quand même super puissant, on peut pas choisir assez d'ennemis pour vraiment se maintenir au-dessus de 50, donc ça c'est quand même un peu chiant, je dois dire. On est premier, hein, j'avais pas réalisé. On est même passé devant les Ottomans. Et rien que d'être premier, ça nous donne 25. On va soumettre. On peut pas soumettre les Ottomans à l'embargo puisqu'on est en trêve. Ouais, j'ai pas de solution là. Putain, personne n'a fait la guerre aux Ottomans. Quelqu'un aurait dû leur déclarer la guerre. Franchement, si derrière nous,
La Hongrie avait déclaré la guerre aux Ottomans avec Édith de l'Autriche, par exemple. Là, c'était l'occasion rêvée pour eux, je dois dire. Ils l'ont pas fait. Bah, tant pis pour eux et tant pis pour nous aussi, hein. C'était le moment ou jamais de les affaiblir, hein. Et la conséquence, c'est que on leur a pas piqué de territoire. Donc tout ça, on s'est battu un peu pour rien, je dois dire. Et c'est pas drôle de se battre pour rien. Alors, on va faire toutes les revendications ici. Je ferais bien baisser de 30 toutes les révoltes là. Et ça aussi, moins 10 sur 11 provinces, c'est pas mal. Et là, moins 30 sur toutes les révoltes, ça va nous donner plus de temps pour mettre notre maintenance à fond et se faire un max d'argent. Je suis quand même avec 3-3-3 et j'ai 53 de bénéfices. Donc on va pouvoir s'éclater sur les constructions. Mais il faut aussi que je renforce mon armée, mais là le fait est que j'ai pas d'argent, donc j'ai pas d'effectifs. Je suis quand même encore à moins 62 000. Ceci dit, je surveille ça. C'est dans 5 mois, on va gagner 20 000 troupes. Ça fera plaisir. Est-ce que je les ai remis à travailler, eux? Putain, je les ai pas remis à travailler, quel boulet. Bon, ça va pas me rapporter tant que ça, mais. Ok. Ah, on est en avril là, normalement c'est bon. Hein. Oui, j'ai toutes les réductions. Alors 5% de productivité, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est les 20% ici. Ça nous rapportait 33 jusqu'à présent. Ça nous rapporte 38, on gagne 5 ducats par mois. On avait le commerce qui nous rapportait 20, qui maintenant va nous rapporter. Eh bien, je ne sais pas. On va attendre 24. Donc déjà on gagne 9 ducats. Et puis bon là on va pas gagner d'argent mais. On va par contre gagner une nouvelle unité. Donc le fait de prendre mes 2 sciences en avance, je viens de gagner 9 ducats par mois. Donc c'est particulièrement appréciable. On est au mois de juin, je vais pouvoir prendre ma décision là. 20 000 hommes. Par contre, il faut absolument que je leur accorde, que je convoque l'assemblée, je sais pas quoi là. Et on est presque remonté du coup, mais on va pas utiliser ça pour renforcer nos armées, on va utiliser ça pour les compléter. Et c'est celle-là qu'il va falloir compléter. Ah merde, j'ai plus d'argent. Il va falloir aussi compléter. Oui, ça va pas suffire. Je vais avoir 2, 4, 6, 7, 7 fois 25, 140, 175. Ouais, ça me met pas à ma limite, mais presque. Ah, ça pourrait m'intéresser honnêtement. Tout simplement parce qu'il doit commencer à être vieux. 44 ans, bon. Mais je vais le prendre quand même. Et il aura quel âge? 36 ans. 8 ans plus jeune, donc quand lui va mourir, on pourra le remplacer par quelqu'un de plus jeune. Peut-être que. Je pense que c'est relativement intéressant. Alors, 4 de plus. Ouais, j'ai pas assez d'argent pour faire mes armées là. C'est un peu pénible. Et merde. Je doute qu'il arrive à s'en occuper tout seul. Le problème, c'est que si je mets ma maintenance à fond, je pourrais plus faire mes armées parce qu'ils vont me. Ils vont me griller toutes mes réserves. Bon, c'est pas grave. On a 36 000 de réserves, on a 62 000 de déficit, donc. Ah oui, et puis là, il y a un petit problème quand même.
Ah bordel, j'ai perdu trop d'argent. En une seule fois, ça m'a obligé à prendre des dettes. Je perds 23 ducats par mois. Et en plus, ils vont réussir à s'en occuper tout seuls, quoi. Allez, saligo. Ils ont gagné à 1 contre 1,5. Et moi, ça m'a obligé à prendre des dettes. Alors, je vais très vite les rembourser. Mais le problème, c'est que j'aurais payé quand même les intérêts, là. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai un nouvel état intéressant, c'est l'Estonie. Qu'on va accepter tout de suite, vu sa taille. Et qu'on va légitimer tout ça. Oui, ça coûte cher. On va clair. Donc, c'est les impôts. J'ai pas regardé mon roi, mais il doit commencer quand même à avoir un âge plus que vénérable là. Franchement, s'il pouvait vivre jusqu'à 70 ans, celui-là, ça fait toute la réussite d'un let's play. Hein. Honnêtement, il a 60 ans. Je sais pas combien de temps il a régné. D'ailleurs, je crois qu'on peut savoir, tout simplement. Au pouvoir depuis 65, donc déjà 32 ans de règne. Ça fait 32 ans que je me gave avec 16 points par mois. Honnêtement, un petit calcul. 16 points par mois, ouais. Un roi moyen en général, c'est 8 points. Donc je fais 8 points de plus par mois. Ce qui fait 96 par an, multiplié par 32. J'ai fait 3000 points supplémentaires déjà grâce à ce roi. J'espère qu'il peut encore régner 10 ans de plus. Après, il peut mourir demain aussi, mais faut pas que je dise ça parce que putain, il va mourir là. Je serai comme un con. Non, non, j'espère qu'il va régner 10 ans de plus. Et ça permet de développer toutes les provinces que j'ai développées là depuis tout à l'heure, depuis, je sais pas, 2-3 épisodes. C'est grâce à ça, hein. Y a pas photo. C'est absolument essentiel. Alors là, je serais tenté de dire peu importe. On va faire sur Constantinople. Ah, on peut pas, on n'est pas dans la zone. Megrelia. Donc eux, je vais pas les intégrer tout de suite. Ah si, si, faut que je les intègre. Ils me servent à rien. Ou alors faut que je les intègre eux, mais c'est possible qu'ils me détestent encore. Ouais. Non, je vais intégrer personne. Je vais améliorer un peu mes relations avec les Autrichiens. Ça, c'est cool. J'avais quelque chose à faire, je me rappelle plus quoi. Ah, les dettes. Alors, on peut déjà les rembourser. Ah non, ouais, c'est dingue parce que ça m'a coûté 816 et je suis obligé de rembourser 930. C'est pour ça quand même que c'était une sacrée erreur là. Ah, est-ce que je vais pas avoir un problème avec eux là? Ouais, on va prendre la corruption, honnêtement. Ça va un peu ternir mes revenus là, mais je pense que quand même c'est pas mal. Ah merde, c'est fini, j'ai plus mes revendications sur Bukhara. Ceci dit, c'est pas grave, on va se remettre à les faire. J'ai gardé encore un peu de points. Ah, c'est le diplomate qui est mort en premier. Donc là, j'en ai plus à 50%, c'est dommage. Si je veux en récupérer un, théologien, ça c'est pas un diplomate, je crois pas. Je ne sais plus. Il y en a un des deux, mais je sais plus lequel. Théologien et inquisiteur. Non, j'ai un doute là en fait. Inquisiteur, c'est sûr que non. Négociant. Je pense que le théologien, c'est pareil, hein. Théologien, il est là. Bon, pour l'instant, je vais prendre celui qui où il faut payer, c'est pas grave. Maintenant, j'ai les moyens. Je vais surtout arrêter la vidéo, ça fait 29 minutes. Je vous laisse, je vous donne évidemment rendez-vous demain pour
la suite de ce let's play.